Bonsoir, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? Avez-vous vécu une magnifique journée? J'espère que oui, je vous souhaite que oui. Eh bien, on va se voir pour le tirage du soir. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur ma chaîne de guidance sentimentale, intemporelle et générale. Ne prenez surtout que ce qui résonne en vous et le reste, laissez. Les flashs qui apparaissent des fois sur l'écran, c'est la connexion entre, bizarrement, mon PC et mon petit frigo. Bon, des fois, ça fait des flashs. Et toujours au bon moment, je ne sais pas si vous avez remarqué. Quoi qu'il en soit, on va regarder ce que les guides ont à vous transmettre comme message ce soir. Et j'espère vous transmettre le message de manière correcte. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir, mes guides? Je vous remercie pour tous vos likes. Merci, merci, merci. Ça fait plaisir, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, n'hésitez pas à continuer, likez, abonnez-vous. Moi, je suis très contente d'être là avec vous et j'espère qu'on se verra souvent. Alors, on va parler de... Alors, moi, cette carte, je sais que c'est... La méfiance, on voit quelqu'un, quelqu'un qui attend. Je sens de l'attente. On attend. On est méfiant, mais on attend un changement. C'est comme si on attend un changement dans des communications, suite à des communications. Il y a eu quelque chose de triste, mais ça se termine. On n'est pas totalement rassuré. Hein. Et pourtant, on sait que ça va changer. Il y a des communications qui vous ont rendu triste. Ok. Bon, ben c'est bon. Mais c'est la fin de ce chagrin. En dodec, on a les petites souris. Ça vous a beaucoup fatigué. Et là, on a la méfiance et là, je ressens un peu de peur. Quelque chose qu'on ne dit pas. Ouais, stress, anxiété, c'est ça que je sens là. La méfiance. Enfin, le fait que ce soit les cartes qui encadrent tout ça là. Bon. Eh ben. On va aller regarder tout ça. Alors, on va aller clarifier. Le renard. C'est quoi l'histoire ce soir, les guides? C'est quoi l'histoire? Alors, ça va parler, hein. Ah bah, forcément d'une histoire d'amour. Hein. Et les amoureux, un choix aussi. Et quelque chose qui change, on a le changement qui revient, on a un cycle qui se termine et un cycle qui recommence, un nouveau cycle qui commence. Je pense que ce changement, en fait, il est attendu et en même temps, il est craint. C'est vraiment ce que ça me donne, en fait. Ce changement, on l'attend, on est un peu méfiant quand même, mais on en a envie et en même temps, on le craint, ce changement. On a des peurs. Le renard, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Alors,
attendez, hein, j'en sors encore là, on va voir ce que ça donne, ce que ça me dit, parce que là, c'est un peu short. Ok. Là, ce renard, là, ce filou, j'entends. Cette personne, elle est très intelligente, très rusée. Il y a quelqu'un de très rusé, de très intelligent qui guette ce changement. Cette personne, c'est... Oh, j'ai le vertige. C'est un roi de coupe. Cette personne, elle a... J'entends, elle a reçu son karma. T'as trop fait la fête, on a reçu son karma. Pourtant, c'est quelqu'un de très gentil, hein, de bienveillant. Mais c'est aussi quelqu'un de très rusé. Un filou, un coquin. Ah bah, c'est mélange. Cette personne, en fait, elle a lâché prise, hein, sur les choses qu'elle pouvait pas contrôler. Elle a laissé tomber. Cette personne, elle ne veut plus jongler avec sa vie, j'entends. Cette personne, elle veut sa stabilité. Elle l'a trouvée, elle ne veut plus la perdre. Du coup, bah, le changement, ça. Si cette personne, elle a enfin trouvé une stabilité et qu'il y a un changement qui se profile, ça ne m'étonne pas que j'ai ressenti de la méfiance. Parce que oui, quand on est bien dans sa peau, dans ses baskets, qu'on a enfin... on a vu qu'il y avait un chagrin, donc quand on a enfin trouvé une certaine stabilité après avoir vécu des choses dures, ben, on n'a pas envie que ça soit chamboulé. Malheureusement, nous sommes au mois d'avril, et le mois d'avril est chargé énergétiquement, donc il va y avoir des chamboulements, qu'on le veuille ou pas. Mais ça aura trop qu'il ne veut pas. Là, enfin, en tout cas... Là, tout de suite, il est pas pour. Hein. Ouais, lui, il a lâché l'affaire par rapport à une reine de bâton, là. Il s'est éloigné émotionnellement d'elle. C'était une femme très solaire, très lumineuse. Un nouveau départ en amour, un nouvel amour, je sens un nouveau débordement d'émotions. Pourtant, on avait lâché l'affaire. On avait lâché prise, on s'était stabilisé, on avait pris du recul. J'entends, pris du recul. Et pourtant, donc ce renard là, ouais, il y a même un nouveau départ, hein, carrément. Bon, bah nous voilà, nous avons le couple. Alors attendez. On a lâché l'affaire avec une femme très lumineuse. En tout cas, une femme très indépendante, beaucoup de caractère. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Et elle se donne les moyens d'obtenir ce qu'elle veut. Et là, on a un nouvel amour et un nouveau départ qui se profile avec une reine de coupe. On a le couple. Mais on ne sait pas quoi choisir. On a des indécisions. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas... Ben dis donc, monsieur le renard, vous n'êtes pas aidé, hein. Ça va bien se passer. Ça se passe toujours bien. Même si on croit que ça se passe mal. C'est...
c'est la même énergie que je sens là, avec cette reine de coupe et cette reine de pentacle. Cette personne, elle aime bien s'occuper des autres. Si c'est vous. Ouais. Je sais que les énergies sont censées être interchangeables, mais là, non, je sens vraiment un homme et deux femmes. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Bon. Eh bien, monsieur le renard, vous avez fait votre choix, en tout cas, apparemment. Ça, c'est plutôt bien. Vous jouez plus à l'équilibriste, et ça, c'est cool. Alors, clarifions la cigogne. S'il vous plaît, mes guides. Bon, on a un roi de coupe qui s'est stabilisé, là. Face à une énergie très beaucoup de motivation. Cette femme, en fait, cette femme, c'est une femme qui entreprend pas mal de choses. Et elle sait ce qu'elle veut et elle fait tout pour obtenir ce qu'elle veut. Et ce roi de coupe, il est aussi très bienveillant, très généreux. Je le vois aussi, je le sens aussi dans la reine de pentacle. Le changement. Le grand changement, c'est... Faut mettre de l'eau dans son vin. Si on veut que les choses fonctionnent. C'est ça le grand changement. Il va falloir prendre sur soi. Si on veut que ça fonctionne. Si on veut créer ensemble. Collaborer ensemble. Il va falloir se dépasser. Soi-même. J'entends éviter les disputes. Il risque d'y en avoir. Oui, il y en a eu déjà. Mais là, je vois surtout du dépassement de soi. Compétition avec soi-même. Il va falloir apprendre avec l'ermite. Se chercher soi-même. C'est assez lourd là. J'ai ma tête qui pèse. Ça a pas l'air comme ça là, mais c'est assez lourd. C'est assez lourd. Le grand changement, c'est qu'on a eu des prises de conscience et ça revient. Hein. Ouais. On a déjà pris le chemin du dépassement de soi et de comprendre certaines choses. Ce roi de cœur, ce roi de coupe là, le roi de cœur, hein. Il a compris des choses et. Il a préféré se détacher et s'en aller. En tout cas, émotionnellement, en fait, il s'est détaché de pas mal de choses. Mais c'est ça pas. Je sais pas ce qu'il a appris, mais ça n'a pas été. C'était pas des petites choses. Du coup, ça l'a mis dans une perplexité totale. Ouais. Il y a un nouveau cycle qui commence, il va devoir faire des choix. Hein. Je sens des gros choix pour de l'amour véritable. Il y a de l'amour véritable qui arrive. Hein. Et leur voilà. Oui, ça va chambouler. Hein. La prise de conscience, s'il vous plaît, c'est quoi, les guides? La prise de conscience, c'est qu'on a des attentes autres que celles qu'on a toujours cru avoir.
La prise de conscience, c'est qu'on avait fait des souhaits. La prise de conscience, c'est qu'on veut être heureux et que c'est pas le cas. Et on en est totalement conscient. On l'a senti, on est très connecté, on a beaucoup d'intuition. On a envie de voilà, pour, et on ne l'est pas. C'est ça que ce roi de coupe, il a compris. Et qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour lui, là, avec l'amour véritable. Je peux avoir juste une carte sur le 2 de coupe, s'il vous plaît. Page d'épée. On a envie de parler à cette personne. Il a envie de parler à cette personne. Ce roi de coupe là, il a envie de vous parler. J'ai sorti la carte là et dans ma tête, tout d'un coup, j'ai eu la chanson. Comme un homme dans Mulan de Disney, si vous l'avez pas vu. Et en fait, je me dis, c'est peut-être vous, en fait. Vous êtes une femme, mais vous avez toute la force et tout le caractère d'un homme. Et ben voilà. 10 de coupe. Va y avoir de gros changements. Hein. Il y a un nouveau cycle qui démarre pour ce roi de coupe. En ce qui le concerne, il a fait un choix. C'est par rapport à vous qu'il ne sait pas comment se positionner. Lui, il sait où il va. Mais par rapport à vous, il ne sait plus. C'est peut-être aussi pour ça qu'il ne veut pas qu'on le chamboule. Clarifions les communications écrites, s'il vous plaît. Là, c'est avec vous. Hein. De toute façon, on a vu qu'il voulait vous parler. Il veut vous parler de ses projets. Il veut vous parler de ses plans, de ce qu'il a envie de faire. Vous aussi, vous avez des projets. Ok. Il y a eu de la manipulation un peu, hein, dans vos écrits, là. Mais non. Il y a eu de la manipulation quand vous communiquiez. Ce roi de coupe, à un moment donné, il s'est pas gêné pour se montrer. Et j'entends « et pourtant ». Ouais, il y a eu... l'un de vous deux s'est senti trahi. Et on prépare aussi, là c'est l'embuscade, le guet-apens. On fait les choses en douce. J'entends mensonge. Mais pas genre de mensonge. Oh, attendez. Pas de mensonge. En fait, c'est comme si on vous dit. C'est pas lourd les énergies que je sens avec la carte là. C'est comme si on vous cache des choses. On vous cache des choses. Parce que pour le moment c'est très compliqué. On vous cache des choses.
vous êtes pas au courant de tout en fait. C'est pour ça que vos discussions, elles sont, j'entends, tordues. Si vous parlez avec votre partenaire de cœur, là, vous avez des discussions un peu alambiquées. Il y a un nouveau départ qui met du temps à se manifester, là, qui à se mettre en place, parce qu'il y a trop de choses compliquées, beaucoup de responsabilités. La grande prêtresse qui ressort. On est au courant pour... Il y a des choses qui sont pas dites, mais qui sont sues par rapport à une union. Là, je vois de la manipulation aussi dans une union. Ouais. C'est compliqué, hein. Il y a eu des trucs un peu tordus dans le sens où on vous a pas tout dit. On vous a pas tout dit. Mais j'ai pas la sensation que c'était par méchanceté. Pas du tout. Je sens pas, vraiment pas de négativité. En général, le roi d'épée à l'envers, c'est un pas beau. Il est pas gentil. Faut pas dire de gros mots. Mais là, c'était de la manipulation. Je sais pas comment vous dire. C'était de la manipulation. Je dirais pas nécessaire, parce que la manipulation, c'est jamais nécessaire, mais c'est un moyen en tout cas de planifier des choses. En fait, de ne pas tout vous dire et d'avoir des discussions alambiquées sans queue ni tête, complètement farfelues. C'est ça en fait que j'ai en tête là. Les discussions. Vous n'êtes pas senti à l'aise pendant ces discussions. Vous n'étiez pas à l'aise parce que vous sentiez bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Vous le saviez. Oh, mon dos me tire. Tu peux avoir une carte sur le 7 d'épée, s'il vous plaît. Là, ça arrive vite. Hein. Il y a un truc en préparation et ça arrive très vite. Hein. Et cette personne, elle ne voulait pas tout vous dire. Je voulais pas tout vous dire. Oui. Il y a vraiment des trucs en préparation. Vraiment, vraiment. Et là, ça parle surtout beaucoup de vous. Hein. Vous sentez les choses. Vous dites rien, mais vous sentez les choses. Et vous êtes bien dans votre peau, hein, bien dans votre vie. Hein. Mais lui, il vous a menti parce que c'était le seul moyen pour lui de préparer certaines choses. Clarifions la croix, s'il vous plaît. C'est la fin. On a vraiment la fin d'un chagrin là. Une période triste, une période sombre qui s'arrête. Et on va vers plus de stabilité, plus d'équité, plus d'égalité, plus de choses, de choses beaucoup plus justes. Les choses s'équilibrent. Bon, on a le mois d'avril qui est fait pour ça. Hein. Ouais. Et là, du coup, on a de la. On a quelqu'un de vrai. 24-24. On a quelqu'un de vrai qui est là, qui est face à vous.
personne, elle a vraiment envie. Ah bah tiens. Il y a beaucoup de désir. Il y a beaucoup d'envie de charnel. Cette personne, elle veut vous. Elle veut créer avec vous et beaucoup de charnel. Et pour le moment, en fait, elle a pas trop envie de se lancer là. Mais. Il y a une décision à prendre. Ouais. Il est encore en train de se cacher. Hein. Il se cache encore, hein, même si là maintenant. Ouais. Il se cache parce que. On l'a vu avec là, mais il en a beaucoup bavé. Hein. Et il dort pas beaucoup en ce moment. Il dort pas beaucoup, le monsieur. Un peu plus, s'il vous plaît. On dit stop. De toute façon, c'est la fin. Les choses s'arrêtent. Tout ce qu'il y avait avant pour ce masculin s'arrête, en fait. Pour cet homme, s'arrête. Les choses changent. Et c'est, il le faut. C'est comme ça. Ça a été très, très souffrant, mais c'est terminé. Et il faut aller de l'avant. Pour l'instant, il n'est pas prêt, hein. Mais va y aller. En tout cas, il vous désire beaucoup. Clarifions les panneaux, le choix, le changement de direction, s'il vous plaît, mes guides. Je sens beaucoup de fatigue, hein, des deux côtés. Vous y réfléchissez beaucoup et il y en a un qui est insomniaque. Dans les deux cas, personne ne dort. C'est là où le lâcher prise est très important. Alors. Ah non, une carte, c'est pas suffisant pour. Oh! Non, on m'a dit. Bah si. Non. C'était des belles cartes, c'est dommage. Elles étaient très belles. Mais non. Alors, bah on a le. Ah. Planification. Attachement malsain. Manipulation. Encore. J'ai vu une carte se retourner. Ouais. Vous sautez comme ça, je vous comprends pas. Attendez, parce que là j'entends des trucs. Aïe. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a quelqu'un qui est vraiment très spirituel, très connecté hein, dans cette guidance, hein, parce que ça fait déjà 3 fois qu'elle sort, hein, la grande prêtresse. Je pense que c'est vous. Donc là, le choix.
Il y a cette reine de bâton, je sens manipuler des projets. On a manipulé des intentions, on a manipulé des choses devaient se faire et c'est comme si on avait twisté de façon pas très belle ce qui devait se faire. Du coup, quelqu'un a vu ses projets au loin, mais en fait ne sait pas, n'y a pas été, a commencé à se retrancher en lui-même, en elle-même, de façon à se protéger. Mais il y a eu, je dirais, la justice est tombée, mais là je sens la justice des hommes. Il y a eu des actions en justice de fait qui ont mené à une séparation. Je perds ma voix. Ça y est. Ça a mené à une séparation. Et ça a été très, très, très prise de tête tout ça. Très perturbant. On a cru qu'on n'allait pas s'en sortir. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se profile, avec aussi peut-être de nouveaux projets qui vont se mettre en place avec une impératrice. Vous aussi des projets plus sains parce qu'on prend soin de soi maintenant. Donc vous dites de faire confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous sentez. Mais là, il y a eu une histoire de justice, là. De tribunal, hein. C'était pas céleste, hein. Et il y a quelqu'un maintenant qui est posé, qui s'occupe de sa carrière, de ses finances, de son confort, qui est bien. Et cette personne aussi, elle aura un choix à faire. Je sais pas pourquoi, mais là, tout d'un coup, j'ai mon dos qui commence à me faire extrêmement mal. Il y en a quelqu'un qui a bien, bien, bien. Comment vous dire? Ça a été très lourd à porter, très lourd à vivre. Il y a des choses qui ont été lourdes à vivre là. C'est pour ça que tout change et tout se transforme et que maintenant on a un peu peur, même beaucoup peur. J'ai vraiment très mal au dos. Wow. Clarifions la lune, s'il vous plaît, Mélie. Ouais. Et bien, on a quelqu'un de très intelligent qui est passé par des choses très souffrantes, très dures, très lourdes. Cette personne, elle sait que le changement arrive pour elle. Ouais, alors voilà. Mais au vu de tout ce qu'elle a vécu, cette personne, elle n'est pas sereine. Même si elle vous aime et même si elle sait que vous l'aimez, cette personne, elle n'est pas rassurée, hein. Ouais. Elle est encore en train de... en passe de guérison. Émotionnelle, je veux dire. Cette personne, elle est en train de... Voilà, elle prend son temps, elle prend du repos, elle en a besoin pour réparer son cœur, pour... voilà, comprendre les choses sur elle-même, devenir la meilleure version de lui-même pour justement atteindre son but, se relever aussi de toutes ces disputes qu'il a pu y avoir. Cette personne, elle travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui se focalise sur, sur ce qu'il peut contrôler, j'entends. Et elle travaille, cette personne, elle travaille aussi, ce monsieur, hein, c'est un homme, hein, travaille aussi beaucoup sur son bonheur futur.
Il travaille beaucoup sur un bonheur futur, hein. Une vie de famille future apaisée, heureuse, harmonieuse. Pour le moment, il est vraiment dans sa stabilité et prépare les choses. On a à nouveau le couple qui ressort. Voilà, le nouveau cycle encore. Anxiété ou pas anxiété, stress ou pas stress, ça va se faire. Hein. Vous vous manquez énormément. Là, je sens pas de la misère financière. Là. C'est de la misère ressentie. Bon, il y a quelqu'un qui fait un peu le gamin là. Il y a vraiment quelqu'un qui fait un peu le gamin puisque ça provoque un peu d'instabilité de sentir tout ça et de savoir tout ça. Parce que quand les choses changent, on le sent. Donc là, cette personne, elle est un peu instable. Pourtant, voilà, tout feu, tout flamme, mais un peu là. Donc, du coup, oui, effectivement, un grand changement pourrait lui faire... pourrait, non, lui, il fait peur. J'ai pris une virtue sans réfléchir, on va voir ce que ça donne. En tout cas, cette personne, elle est très sur ses gardes. Je sens vraiment quelqu'un de très sur ses gardes. Qu'avez-vous à dire, mes guides ? Ben ça, on avait compris, hein. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous et de profiter du moment à deux que vous allez avoir. Ça veut juste dire que vous allez vous voir. Et on vous dit de savourer ce moment pleinement. En espérant qu'aucun de vous deux ne laisse la méfiance le plomber ou la plomber. On vous dit, voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout. C'est le seul conseil qu'ils avaient à vous donner. Ah non. On vous dit que vous allez atteindre un nouveau palier, une nouvelle étape dans votre relation. Vous vous aimez énormément. C'est un moment qui est fait pour vous réconcilier. J'ai pas senti de colère, de dispute ou quoi que ce soit. De la méfiance, oui. De la peur, oui. Il y a eu beaucoup de chagrin, oui. Mais pas de colère, pas de... de reprendre le contrôle de votre vie. Encore une, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Et vous avez vraiment besoin d'un moment à deux, tout seul, et que c'est votre âme sœur, et que vous allez vous voir bientôt, même très bientôt. Et on vous dit de vraiment faire le point, vous, sur ce que vous voulez pour que ça arrive. Exit les 7 de couple, les indécisions, que ce soit de votre côté ou de le côté de votre partenaire de cœur. Il faut vraiment que tous les deux vous sachiez ce que vous voulez pour que ça se manifeste. Si vous êtes dans l'indécision, ça va rester bancal. Ok, mes lumières.
Eh ben, moi, je vais vous tirer encore peut-être deux cartes de l'oracle, le petit oracle de l'intuition. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Une, deux, un, on m'a dit trois. Trois. Alors, première carte, le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Profitez de ce moment pleinement. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Ouais, vous allez vibrer bien fort et ça va se communiquer, étant donné que nous sommes tous interconnectés, même si nous ne voulons pas avec certaines personnes, c'est le cas quand même. Génie, un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Bientôt, on vous a dit. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Sachez ce que vous voulez. Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Et vice-versa, les vœux font naître l'amour aussi. C'est génial. Reposez-vous, s'il vous plaît. Vous avez besoin de repos. Je sens vraiment là le mal de dos, le plus plombé. Vous avez besoin de dormir. Ok, mes lumières, ben, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée pour quand vous tomberez sur la vidéo. Mais prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Allez, bisous, bisous. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!